Monsieur Modiano, Madame Modiano, kära akademiledamöter, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till årets Nobelföreläsning. Glömskan är ett intressant fenomen, ofta långt mer komplext än minnet. Vi behöver den då den skulpterar fram de hågkomster vi benämner jag. Och vi behöver glömskan för att ej översvämmas av det triviala. Samtidigt som vi också behöver kämpa mot den för att den ej ska översvämma oss. Vilket den förr eller senare gör. Ett melankoliskt faktum om det inte vore för texten som medel och som möjlighet till räddning. I en roman skriven av årets Nobelpristagare beskriver han hur man under en färd i den stora staden, detta korallrev av lager på lager med minnen, oändligt plötsligt i husens mörka massa kan lägga märke till, citat, ett upplyst fönster som ger intryck av att man glömt släcka ljuset i ett annat liv eller att någon ännu väntar på en. Slutcitat. I detta ryms en viktig poäng. Hågkomsten är givetvis inte bara ett medel för kommunikation med de andra och de efterkommande. Det är också ett sätt för oss att gå i dialog med oss själva. Maestro, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que, pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice. Mais un écrivain, ou tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Et si l'on se rappelle cette distinction scolaire entre l'écrit et l'oral, un romancier est plus doué pour l'écrit que pour l'oral. Il a l'habitude de se taire et s'il veut se pénétrer d'une atmosphère, il doit se fondre dans la foule, il écoute les conversations sans en avoir l'air et s'il intervient dans celle-ci, c'est toujours pour poser quelques questions discrètes afin de mieux comprendre les femmes et les hommes qui l'entourent. Il a une parole hésitante à cause de son habitude de raturer ses écrits. Bien sûr, après de multiples ratures, son style peut paraître limpide, mais quand il prend la parole, il n'a plus la ressource de corriger ses hésitations. Et puis, j'appartiens à une génération où on ne laissait pas parler les enfants, sauf en certaines occasions, sans assez rares et s'ils en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas, si bien que souvent on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitants, tantôt trop rapides, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où sans doute ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront, ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. L'annonce de ce prix m'a paru irréelle et j'avais hâte de savoir pourquoi vous m'aviez choisi.
Ce jour-là, je crois n'avoir jamais ressenti de manière forte combien un romancier est aveugle vis-à-vis de ses propres livres et combien les lecteurs en savent plus long que lui sur ce qu'il écrit. Un romancier ne peut jamais être son lecteur sauf pour corriger dans son manuscrit des fautes de syntaxe, des répétitions ou supprimer un paragraphe de trop. Il n'a qu'une représentation confuse et partielle de ses livres. Comme un peintre occupé à faire une fresque au plafond et qui, allongé sur un échafaudage, travaille dans les détails de trop près, sans vision d'ensemble. Curieuse activité solitaire que celle d'écrire. Vous passez par des moments de découragement. Quand vous rédigez les premières pages d'un roman, vous avez chaque jour l'impression de faire fausse route. Et alors, l'impression est grande de revenir en arrière et de vous engager sur un autre chemin. Il ne faut pas succomber à cette tentation, mais suivre la même route. C'est un peu comme d'être au volant d'une voiture la nuit, en hiver, et rouler sur le verglas sans aucune visibilité. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous devez continuer d'avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera. Sur le point d'achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu'il respire déjà l'air de la liberté, comme les enfants dans la classe la veille des grandes vacances. Ils sont distraits et bruyants et n'écoutent plus leur professeur. Je dirais même qu'au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité dans sa hâte de se libérer de vous. Et il vous quitte. À peine avez-vous tracé les derniers mots. C'est fini, il n'a plus besoin de vous. Il vous a déjà oublié. Ce sont les lecteurs désormais qui le révéleront à lui-même. Vous éprouvez à ce moment-là un grand vide et le sentiment d'avoir été abandonné. Et aussi une sorte d'insatisfaction à cause de ce lien entre le livre et vous qui a été tranché trop vite. Cette insatisfaction et ce sentiment de quelque chose d'inaccompli vous poussent à écrire le livre suivant pour rétablir l'équilibre sans que vous y parveniez jamais. À mesure que les années passent, les livres se succèdent et les lecteurs parleront d'une œuvre, mais vous avez le sentiment qu'il ne s'agissait que d'une longue fuite en avant. Oui, le lecteur en sait plus long que sur un livre que son auteur lui-même. Il se passe entre un roman et son lecteur un phénomène analogue à celui du développement des photos, tel qu'on le pratiquait avant l'ère du numérique, au moment de son tirage. Dans la chambre noire, la photo devenait peu à peu visible. À mesure que l'on avance dans la lecture d'un roman, il se déroule le même processus chimique. Mais pour qu'il existe un tel accord entre l'auteur et son lecteur, il est nécessaire que le romancier ne force jamais son lecteur, au sens où l'on dit d'un chanteur qu'il force sa voix, mais l'entraîne imperceptiblement et lui laisse une marge suffisante pour que le livre l'imprègne peu à peu, et cela par un art qui ressemble à l'acupuncture, où il suffit de piquer l'aiguille à un endroit très précis et le flux se propage dans le système nerveux. Cette relation intime et complémentaire entre le romancier et son lecteur, je crois que l'on en retrouve l'équivalent dans le domaine musical. J'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique. J'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique, mais beaucoup moins pure que celle-ci. Et j'ai toujours envié les musiciens
qui me semblait pratiquer un art supérieur au roman, et les poètes qui sont plus proches des musiciens que les romanciers. J'ai commencé à écrire des poèmes dans mon enfance, et c'est sans doute grâce à cela que j'ai mieux compris la réflexion que j'ai lue quelque part. C'est avec de mauvais poètes que l'on fait des prosateurs. Et puis, en ce qui concerne la musique, il s'agit souvent pour un romancier d'entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu'il a pu observer dans une partition musicale où l'on retrouve les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Il y aura chez le romancier le regret de n'avoir pas été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin. Le manque de lucidité et de recul critique d'un romancier vis-à-vis de l'ensemble de ses propres livres tient aussi à un phénomène que j'ai remarqué dans mon cas et dans celui de beaucoup d'autres. Chaque nouveau livre, au moment de l'écrire, efface le précédent, au point que j'ai l'impression de l'avoir oublié. Je croyais les avoir écrits les uns après les autres de manière discontinue, à coups d'oubli successifs, mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l'un à l'autre, comme les motifs d'une tapisserie que l'on aurait tissé dans un demi-sommeil. Un demi-sommeil ou bien un rêve éveillé. Un romancier est souvent un somnambule, tant il est pénétré par ce qu'il doit écrire, et l'on peut craindre qu'il se fasse écraser quand il traverse une rue. Mais l'on oublie cette extrême précision des somnambules qui marchent sur les toits sans jamais tomber. Dans la déclaration qui a suivi l'annonce de ce prix Nobel, j'ai retenu la phrase suivante qui était une allusion à la dernière guerre mondiale. Il a dévoilé le monde de l'occupation. Je suis, comme toutes celles et ceux nés en 1945, un enfant de la guerre, et plus précisément, puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l'occupation. Les personnes qui ont vécu dans ce Paris-là ont voulu très vite l'oublier, ou bien ne se souvenir que de détails quotidiens de ceux qui donnaient l'illusion qu'après tout, la vie de chaque jour n'avait pas été si différente de celle qu'ils menaient en temps normal. Un mauvais rêve et aussi un vague remords d'avoir été en quelque sorte des survivants. Et lorsque leurs enfants les interrogeaient plus tard, sur cette période et sur ce Paris-là, leur réponse était évasive, ou bien ils gardaient le silence, comme s'ils voulaient rayer de leur existence ces années sombres et nous cacher quelque chose. Mais devant les silences de nos parents, nous avons tout deviné comme si nous l'avions vécu. Ville étrange que ce Paris de l'occupation. En apparence, la vie continuait comme avant. Les théâtres, les cinémas, les salles de music-hall, les restaurants étaient ouverts. On entendait des chansons à la radio. Il y avait même dans les théâtres et les cinémas beaucoup plus de monde qu'avant-guerre, comme si ces lieux étaient des abris où les gens se rassemblaient et se serraient les uns contre les autres pour se rassurer. Mais des détails insolites indiquaient que Paris n'était plus le même qu'autrefois. À cause de l'absence des voitures, c'était une ville silencieuse. Un silence où l'on entendait le bruissement des arbres, le claquement des sabots des chevaux, le bruit des pas de la foule sur les boulevards et le brouhaha des voix. Dans le silence des rues et du blackout qui tombait en hiver vers 5 heures du soir et pendant lequel la moindre lumière aux fenêtres était interdite, cette ville semblait absente à elle-même. La ville sans regard, comme disaient les occupants nazis. Les adultes et les enfants pouvaient disparaître d'un instant à l'autre sans laisser aucune trace. Et même entre amis, on se parlait à demi-mot et les conversations n'étaient jamais franches parce qu'on sentait une menace planer dans l'air.
Dans ce Paris de mauvais rêves, où l'on risquait d'être victime d'une dénonciation et d'une rafle à la sortie d'une station de métro, des rencontres hasardeuses se faisaient entre des personnes qui ne se seraient jamais croisées en temps de paix. Des amours précaires naissaient à l'ombre du couvre-feu sans que l'on soit sûr de se retrouver les jours suivants. Et c'est à la suite de ces rencontres, souvent sans lendemain, et parfois de ces mauvaises rencontres, que des enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le Paris de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais né. Ce Paris-là n'a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres. Voilà aussi la preuve qu'un écrivain est marqué d'une manière indélébile par sa date de naissance et par son temps. Même s'il n'a pas participé d'une manière directe à l'action politique, même s'il donne l'impression d'être un solitaire, replié dans ce qu'on appelle sa tour, et s'il écrit des poèmes, ils sont à l'image du temps où il vit et n'auraient pas pu être écrits à une autre époque. Ainsi, le poème de Yeats, ce grand écrivain irlandais dont la lecture m'a toujours profondément ému. Les cygnes sauvages à Cool. Dans un parc, Yeats observe des cygnes qui glissent sur l'eau. Le 19e automne est descendu sur moi depuis que je les ai comptés pour la première fois. Je les vis avant d'en avoir pu finir le compte. Ils s'élevaient soudain et s'égayaient en tournoyant en grands cercles brisés sur leurs ailes tumultueuses. Mais maintenant, ils glissent sur les eaux tranquilles, majestueux et pleins de beauté, parmi quels joncs fleurissent, sur la rive de quel lac, de quel étang, en chanteront-ils d'autres yeux lorsque je m'éveillerai et trouverai un jour qu'ils se sont envolés. Les cygnes apparaissent souvent dans la poésie du XIXe siècle, chez Baudelaire ou chez Mallarmé. Mais ce poème de Yeats n'aurait pas pu être écrit au XIXe siècle. Par son rythme particulier et sa mélancolie, il appartient au XXe siècle et même à l'année où il a été écrit. Il arrive aussi qu'un écrivain du XXIe siècle sente par moments prisonnier de son temps et que la lecture des grands romanciers du XIXe siècle, Balzac, Dickens, Tolstoï, Dostoïevski, lui inspire une certaine nostalgie. À cette époque-là, le temps s'écoulait d'une manière plus lente qu'aujourd'hui, et cette lenteur au travail du romancier, car il pouvait mieux concentrer son énergie et son attention. Depuis, le temps s'est accéléré et avance par saccades, ce qui explique la différence entre les grands massifs romanesques du passé, aux architectures de cathédrales et les œuvres discontinues et morcelées d'aujourd'hui. Dans cette perspective, j'appartiens à une génération intermédiaire et je serais curieux de savoir comment les générations suivantes, qui sont nées avec l'Internet, le portable, les mails et les tweets, exprimeront par la littérature ce monde auquel chacun est connecté en permanence et où les réseaux sociaux entament la part d'intimité et de secret qui était encore notre bien jusqu'à une époque récente, le secret qui donnait de la profondeur aux personnes et pouvait être un grand thème romanesque. Mais je veux rester optimiste concernant l'avenir de la littérature et je suis persuadé que les écrivains du futur assureront la relève, comme l'a fait chaque génération depuis Homère. Et d'ailleurs, un écrivain, comme tout autre artiste, a beau être lié à son époque de manière si étroite qu'il n'y échappe pas et que le seul air qu'il respire, c'est ce qu'on appelle l'air du temps, il exprime toujours dans ses œuvres quelque chose d'intemporel. Dans les mises en scène des pièces de Racine ou de Shakespeare,
Peu importe que les personnages soient vêtus à l'antique ou qu'un metteur en scène veuille les habiller en blue jeans ou en veste de cuir. Ce sont des détails sans importance. On oublie, en lisant Tolstoï, qu'Anna Karénine porte des robes de 1870 tant elle nous est proche après un siècle et demi. Et puis, certains écrivains comme Edgar Poe, Melville ou Stendhal sont mieux compris dans 200 ans après leur mort que par ceux qui étaient leurs contemporains. En définitive, à quelle distance exacte se tient un romancier ? En marge de la vie, pour la décrire, car si vous êtes plongé en elle, dans l'action, vous en avez une image confuse. Mais cette légère distance n'empêche pas le pouvoir d'identification qui est le sien vis-à-vis de ces personnages et celles et ceux qui les ont inspirés dans la vie réelle. Flaubert a dit « Madame Bovary, c'est moi » et Tolstoï s'est identifié tout de suite à celle qu'il avait vue se jeter sous un train une nuit dans une gare de Russie. Et ce don d'identification allait si loin que Tolstoï se confondait avec le ciel et le paysage qu'il décrivait et qu'il absorbait tout, jusqu'au plus léger battement de cils d'Anna Karénine. Cet état second est le contraire du narcissisme, car il suppose à la fois un oubli de soi-même et une très forte concentration afin d'être réceptif aux moindres détails. Cela suppose aussi une certaine solitude. Elle n'est pas un repli sur soi-même, mais elle permet d'atteindre à un degré d'attention et d'hyper-lucidité vis-à-vis du monde extérieur pour le transposer dans un roman. J'ai toujours cru que le poète et le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblaient submergés par la vie quotidienne. Aux choses en apparence banales, et cela à force de les observer avec une attention soutenue et de façon presque hypnotique. Sous leur regard, la vie courante finit par s'envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu'elle n'avait pas à première vue, mais qui était cachée en profondeur. C'est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouve au fond de chaque personne. Je pense à mon cousin lointain, le peintre Amedeo Modigliani, dont les toiles les plus émouvantes sont celles où il a choisi pour modèle des anonymes, des enfants et des filles des rues, des servantes, de petits paysans, de jeunes apprentis. Il les a peints d'un trait aigu qui rappelle la grande tradition toscane, celle de Botticelli et des peintres siennois du Quattrocento. Il leur a donné ainsi, ou plutôt il a dévoilé, toute la grâce et la noblesse qui étaient en eux sous leur humble apparence. Le travail du romancier doit aller dans ce sens-là. Son imagination, loin de déformer la réalité, doit la pénétrer en profondeur et révéler cette réalité à elle-même avec la force des infrarouges et des ultraviolets pour détecter ce qui se cache derrière les apparences. Et je ne serai pas loin dans le meilleur des cas. Le romancier est une sorte de voyant et même de visionnaire, et aussi un sismographe prêt à enregistrer les mouvements les plus imperceptibles. J'ai toujours hésité avant de lire la biographie de tel ou tel écrivain que j'admirais. Les biographes s'attachent parfois à de petits détails, à des témoignages pas toujours exacts, à des traits de caractère qui paraissent déconcertants ou décevants, et tout cela m'évoque ces grésillements qui brouillent certaines émissions de radio et rendent inaudibles les musiques ou les voix. Seule la lecture de ces livres nous fait entrer dans l'intimité d'un écrivain, et c'est là qu'il est au meilleur de lui-même et qu'il nous parle à voix basse, sans que sa voix soit brouillée par le moindre parasite. Mais
En lisant la biographie d'un écrivain, on découvre parfois un événement marquant de son enfance qui a été comme une matrice de son œuvre future et sans qu'il en ait eu toujours une claire conscience. Cet événement marquant est revenu sous diverses formes hanter ses livres. Aujourd'hui, je pense à Alfred Hitchcock, qui n'était pas un écrivain, mais dont les films ont pourtant la force et la cohésion d'une œuvre romanesque. Quand son fils avait 5 ans, le père d'Hitchcock l'avait chargé d'apporter une lettre à un ami à lui, commissaire de police. L'enfant lui avait remis la lettre et le commissaire l'avait enfermé dans cette partie grillagée du commissariat qui fait office de cellule et où l'on garde pendant la nuit les délinquants les plus divers. L'enfant, terrorisé, avait attendu pendant 1 heure avant que le commissaire ne le délivre et ne lui dise « Si tu te conduis mal dans la vie, tu sais maintenant ce qui t'attend. » Ce commissaire de police, qui avait vraiment de drôles de principes d'éducation, est sans doute à l'origine du climat de suspense et d'inquiétude que l'on retrouve dans tous les films d'Alfred Hitchcock. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec mon cas personnel, mais je crois que certains épisodes de mon enfance ont servi de matrice à mes livres plus tard. Je me trouvais le plus souvent loin de mes parents, chez des amis auxquels ils me confiaient et dont je ne savais rien, et dans des lieux et des maisons qui se succédaient. Sur le moment, un enfant ne s'étonne de rien, et même s'il se trouve dans des situations insolites, cela lui semble parfaitement naturel. C'est beaucoup plus tard que mon enfance m'a paru énigmatique et que j'ai essayé d'en savoir plus sur ces différentes personnes auxquelles mes parents m'avaient confié et ces différents lieux qui changeaient sans cesse. Mais je n'ai jamais réussi à identifier la plupart de ces gens, ni à situer avec une précision topographique tous ces lieux et ces maisons du passé. Cette volonté de résoudre des énigmes sans y réussir vraiment et de tenter de percer un mystère m'a donné l'envie d'écrire, comme si l'écriture et l'imaginaire pouvaient m'aider à résoudre enfin ces énigmes et ces mystères. Et puisqu'il est question de mystères, je pense par une association d'idées au titre d'un roman français du XIXe siècle, « Les mystères de Paris ». La grande ville, en l'occurrence Paris, ma ville natale, est liée à mes premières impressions d'enfance et ces impressions étaient si fortes que depuis, je n'ai jamais cessé d'explorer les mystères de Paris. Il m'arrivait vers 9 ou 10 ans de me promener seul et malgré la crainte de me perdre, d'aller de plus en plus loin dans des quartiers que je ne connaissais pas sur la rive droite de la Seine. C'était en plein jour et cela me rassurait. Au début de l'adolescence, je m'efforçais de vaincre ma peur et de m'aventurer la nuit vers des quartiers encore plus lointains par le métro. C'est ainsi que l'on fait l'apprentissage de la ville et en cela j'ai suivi l'exemple de la plupart des romanciers que j'admirais et pour lesquels depuis le XIXe siècle, la grande ville qu'elle se nomme Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm a été le décor et l'un des thèmes principaux de leurs livres. Edgar Poe, dans sa nouvelle « L'homme des foules », a été l'un des premiers à évoquer toutes ces vagues humaines qu'il observe derrière les vitres d'un café et qui se succèdent interminablement sur les trottoirs. Il repère un vieil homme à l'aspect étrange et il le suit pendant la nuit dans différents quartiers de Londres pour en savoir plus long sur lui. Mais l'inconnu est l'homme des foules et il est vain de le suivre car il restera toujours un anonyme. Et l'on n'apprendra jamais rien sur lui. Il n'a pas d'existence individuelle. Il fait tout simplement partie de cette masse de passants qui marchent en rang serré ou bien se bousculent et se perdent dans les rues.
Et je pense aussi à un épisode de la jeunesse du poète Thomas de Quincey qui l'a marqué pour toujours. À Londres, dans la foule d'Oxford Street, il s'était lié avec une jeune fille, l'une de ces rencontres de hasard que l'on fait dans une grande ville. Il avait passé plusieurs jours en sa compagnie et il avait dû quitter Londres pour quelque temps. Ils étaient convenus qu'au bout d'une semaine, elle l'attendrait tous les soirs à la même heure au coin de Tishfield Street. Mais ils ne se sont jamais retrouvés. Certainement, nous avons été bien des fois à la recherche l'un de l'autre, au même moment, à travers l'énorme labyrinthe de Londres. Peut-être n'avons-nous été séparés que par quelques mètres. Il n'en faut pas davantage pour aboutir à une séparation éternelle. Pour ceux qui y sont nés et y ont vécu, à mesure que les années passent, chaque quartier, chaque rue d'une ville évoque un souvenir, une rencontre, un chagrin, un moment de bonheur. Et souvent, la même rue est liée pour vous à des souvenirs successifs, si bien que grâce à la topographie d'une ville, c'est toute votre vie qui vous revient à la mémoire par couches successives, comme si vous pouviez déchiffrer les écritures superposées d'un palimpseste. Et aussi la vie des autres, de ces milliers et milliers d'inconnus, croisés dans les rues ou dans les couloirs du métro aux heures de pointe. C'est ainsi que, dans ma jeunesse, pour m'aider à écrire, j'essayais de retrouver de vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rue avec les numéros des immeubles. J'avais l'impression, page après page, d'avoir sous les yeux une radiographie de la ville, mais d'une ville engloutie comme l'Atlantide, et de respirer l'odeur du temps. À cause des années qui s'étaient écoulées, les seules traces qu'avaient laissées ces milliers et ces milliers d'inconnus, c'était leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Quelquefois, un nom disparaissait d'une année à l'autre. Il y avait quelque chose de vertigineux à feuilleter ces anciens annuaires, en pensant que désormais, les numéros de téléphone ne répondraient pas. Plus tard, je devais être frappé par les vers d'un poème d'Osip Mandelstam. Je suis revenu dans ma ville familière jusqu'aux sanglots, jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau. Pétersbourg, de mes téléphones tu as les numéros. Pétersbourg, j'ai les adresses d'autrefois où je reconnais les morts à leur voix. Oui, il me semble que c'est en consultant ces anciens annuaires de Paris que j'ai eu envie d'écrire mes premiers livres. Il suffisait de souligner au crayon le nom d'un inconnu, son adresse et son numéro de téléphone, et d'imaginer quelle avait été sa vie parmi ces centaines et ces centaines de milliers de noms. On peut se perdre ou disparaître dans une grande ville. On peut même changer d'identité et vivre une nouvelle vie. On peut se livrer à une très longue enquête pour retrouver les traces de quelqu'un en n'ayant au départ qu'une ou deux adresses dans un quartier perdu. La brève indication qui figure quelquefois sur les fiches de recherche a toujours trouvé un écho chez moi. Dernier domicile connu. Les thèmes de la disparition, de l'identité, du temps qui passe sont étroitement liés à la topographie des grandes villes. Voilà pourquoi, depuis le XIXe siècle, elles ont été souvent le domaine des romanciers et quelques-uns des plus grands d'entre eux sont associés à une ville. Balzac et Paris, Dickens et Londres, Dostoïevski et Saint-Pétersbourg, Tokyo et Nagai-Kafu, Stockholm et Hjalmar Söderberg. J'appartiens à une génération qui a subi l'influence de ces romanciers et qui a voulu à son tour explorer ce que Baudelaire appelait les
plis sinueux des grandes capitales. Bien sûr, depuis 50 ans, c'est-à-dire l'époque où les adolescents de mon âge éprouvaient des sensations très fortes en découvrant leur ville, celles-ci ont changé. Quelques-unes en Amérique et dans ce qu'on appelait le tiers-monde sont devenues des mégapoles aux dimensions inquiétantes. Leurs habitants y sont cloisonnés dans des quartiers souvent à l'abandon et dans un climat de guerre sociale. Les bidonvilles sont de plus en plus nombreux et de plus en plus tentaculaires. Jusqu'au XXe siècle, les romanciers gardaient une vision en quelque sorte romantique de la ville, pas si différente de celle de Dickens ou de Baudelaire. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir comment les romanciers de l'avenir évoqueront ces gigantesques concentrations urbaines dans des œuvres de fiction. Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres à l'art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables. Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé et le peu de traces qu'ont laissées sur terre des anonymes et des inconnus est-elle aussi liée à ma date de naissance, 1945. D'être né en 45 après que des villes furent détruites et que des populations entières eurent disparu, m'a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible au thème de la mémoire et de l'oubli. Il me semble, malheureusement, que la recherche du temps perdu ne peut plus se faire avec la force et la franchise de Marcel Proust. La société qu'il décrivait était encore stable, une société du XIXe siècle. La mémoire de Proust fait ressurgir le passé dans ses moindres détails comme un tableau vivant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la mémoire est beaucoup moins sûre d'elle-même et qu'elle doit lutter sans cesse contre l'amnésie et contre l'oubli. À cause de cette couche, de cette masse d'oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables. Mais c'est sans doute la vocation du romancier devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan.